Bonjour tout le monde, bonjour, moi c'est Flavien et bienvenue à cette rencontre Zoom du 29 mai 2021 concernant l'opportunité DESI. Pour des personnes qui s'intéressent à DESI, pour des personnes qui sont déjà inscrites à DESI et des personnes qui s'intéressent, je vous suggère de prendre du temps, d'accorder un tout petit peu de votre temps pour regarder les vidéos qui sont faites et pour prendre les nouvelles de Daisy. Lorsqu'on s'intéresse à un business, lorsqu'on s'inscrit à un business, on ne s'inscrit pas tout simplement pour retourner dormir et venir de temps en temps consulter son compte, sa plateforme, voir s'il y a eu des clés. Il faut prendre les nouvelles. Il faut comprendre où est-ce qu'on s'en va. C'est vrai que la plupart ont été habitués à ces projets qui viennent dire investissez et vous gagnez 1,5% par jour ou bien 2,5% par jour du lundi au vendredi ou bien du lundi au lundi. Les gens ont tellement été habitués à ça, si bien qu'on pense que c'est ça la norme. On pense que c'est ça qui est la façon de faire. On pense que c'est ça la bonne façon. Si bien qu'un projet, lorsqu'un projet arrive avec une nouvelle façon de faire, tout le monde trouve ça compliqué, tout le monde trouve ça, beaucoup de gens trouvent ça compliqué, beaucoup de gens trouvent que je n'arrive pas à comprendre, c'est quoi ça, ou c'est combien je gagne par jour, la compagnie ne nous dit même pas combien on va gagner par jour, est-ce qu'on va investir comme ça sans savoir combien est-ce qu'on gagne par jour. Il faut tout simplement comprendre que ces modèles qui nous proposent les revenus journaliers sont leur modèle à eux. Ils sont leur modèle à eux. Daisy a son modèle à lui. Et chaque modèle a ses points forts et ses points faibles. À chacun maintenant d'évaluer les points forts et les points faibles de chacun et de faire son choix. Et de faire son choix. Depuis moi, je vous ai dit, je ne vais plus aller vers les business qui proposent un certain pourcentage fixe par jour. Parce que moi, j'ai commencé par ça et j'ai vu les limites. En tout cas, je ne suis pas venu ici vous parler de ces business-là, mais j'ai vu leurs limites. C'est pour ça que depuis moi, je m'intéresse plutôt à des projets qui ont d'autres modèles. Et quand je trouve un qui est intéressant, je partage l'information. C'est la raison pour laquelle je suis en train de partager l'information sur Daisy. Daisy vient avec un tout nouveau modèle de business que les gens n'ont pas encore vu. Alors, il est intéressant de le découvrir. Et lorsqu'on s'inscrit, on ne vient pas seulement dans son back-office consulter. Ah, est-ce que je suis déjà à combien de profits? Il faut prendre les nouvelles. Il faut prendre les nouvelles. Et aussi, il faut savoir que Daisy, c'est à vie. Autant que Daisy existera, vous allez continuer à gagner du profit sur les contributions que vous avez faites. Il y a des actions, puis il y a aussi les profits du trading. Autant que votre capital de trading sera chez la compagnie Endotech, et la compagnie Endotech continue à faire le trading pour vous, et vous pourrez gagner des profits là-dessus. Il n'y a pas de renouvellement, comme dans d'autres plateformes. Dans Daisy, lorsque vous inscrivez à Daisy, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de upgrader jusqu'à atteindre le niveau que vous voulez vous arrêter. On ne viendra jamais vous dire que ça fait déjà, vous avez atteint votre 300%, vous renouvelez jamais. On ne viendra pas dire que ça fait déjà tel nombre de mois, il faut renouveler jamais. C'est ça le gros avantage de Daisy. Et il faut comprendre que Daisy, c'est à long terme. C'est à long terme. On ne s'inscrit pas à Daisy pour attendre à voir les retombées le lendemain. C'est à long terme. Alors, des personnes qui veulent explorer ce modèle, vous pouvez nous joindre dans le train et puis on va le découvrir ensemble. Mais selon les informations que moi que je vois et selon les fondateurs que je vois, moi j'ai confiance dans ce projet. Je leur ai donné ma confiance et je les suis. Je suis Daisy, je suis le modèle Daisy. Parce que je trouve que c'est un modèle intéressant. Daisy a d'abord commencé par
un crowdfunding. Crowdfunding, c'est-à-dire une levée de fonds pour développer un nouveau système d'intelligence artificielle pour faire le trading. Lorsque vous contribuez à DAISY, vous contribuez donc au développement de ce nouveau robot qui va développer, qui va faire le trading en utilisant l'intelligence artificielle. Et parce que vous contribuez au développement de ce robot, vous financez le développement de ce robot, vous aurez donc des actions de la compagnie Endotech. Et en plus de ça, Endotech va faire le trading pour vous. C'est-à-dire que votre contribution que vous déposez chez DAISY, DAISY va diviser en deux. Une partie va utiliser pour financer le développement du robot. L'autre partie, ils vont utiliser pour faire votre trading. Ce sera votre capital de trading. Et autant, aussi longtemps que votre capital de trading restera chez Endotech, vous recevrez des profits. Lorsque les marchés montent, lorsque les prix augmentent sur les marchés, vous aurez les profits. Lorsque les prix baissent sur les marchés, vous allez aussi voir votre profit baisser. C'est ça la vraie vie du trading. Ce n'est pas les gains fixes journaliers que l'on reçoit par jour. Parce qu'avec la chute des cryptos que l'on a vu depuis 2 semaines, je ne vais pas vous dire le nombre de business, de plateformes qui ont déjà scammé, qui ont fermé. Allez sur YouTube, vous allez voir, ça crie tous les jours. Il y a plein de vidéos. Je ne suis pas là pour parler d'eux, je suis là pour parler de DAISY. Donc, c'est ça. DAISY, c'est le trading réel. Lorsque les prix augmentent, vous voyez votre profit augmenter. Lorsque les prix baissent, vous voyez votre profit baisser. Et si vous ne voulez pas que votre profit baisse, vous pouvez le retirer. C'est tout simple que ça. Donc, en plus des actions, en plus des revenus de trading, DAISY vient de sortir, est en train d'annoncer la sortie de sa crypto-monnaie qui s'appellera DAISY. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous donner l'information sur cette nouvelle crypto-monnaie, comment l'acheter et comment gagner de l'argent. Parce que cette crypto-monnaie donne l'opportunité à tous les membres de DAISY, donne encore une nouvelle possibilité à tous les membres de DAISY de se faire de l'argent, de gagner de l'argent sans toutefois parrainer. Et aussi, si vous êtes déjà inscrit à DAISY, ne rentrez pas dormir sur vos oreillers, attendre que les autres travaillent et que vous voyez les gens atterrir dans votre réseau pour gagner des revenus de la matrice. Parce que dans DAISY, oui, lorsqu'on s'inscrit, vous pouvez gagner des revenus de la matrice lorsque quelqu'un se place en dessous de vous, même si ce n'est pas vous qui l'avez parrainé. Oui, il y a cette possibilité-là. Mais si vous entrez dans DAISY, tout simplement dans le but que les autres parrainent et les gens se placent en dessous de vous pour gagner les profits du trading, si tout le monde fait comme vous, qui va donc entrer, qui va donc parrainer pour que les gens gagnent les revenus, les bonus de la matrice? C'est vrai, beaucoup disent que non, je ne suis pas à l'aise dans le parrainage, je ne veux pas parrainer parce que si ça ne marche pas, je ne veux pas avoir les gens sur mon dos. Bon, à chacun sa façon de voir la vie, mais moi, j'essaie de faciliter la vie en disant, vous trouvez DAISY compliqué, vous ne parvenez pas à expliquer aux gens, parlez tout simplement de la nouvelle opportunité aux gens, invitez-les aux rencontres Zoom. Moi, je leur explique le business. Je leur explique jusqu'au moment où ils prennent la décision d'embarquer. Et là, vous les parrainez avec votre lien de parrainage. Invitez tout simplement les gens à venir joindre la rencontre, à venir aux rencontres Zoom. Tout simplement. Plus les gens vont venir, plus les gens vont en parler, plus les gens vont adhérer. Et en ce moment, vous pourrez profiter des bonus de la matrice. Parce que beaucoup vont dire, ah, depuis avril, depuis mars que je me suis inscrit, je n'ai pas reçu de bonus de la matrice. Personne n'a atterri dans ma matrice, dans mon réseau pour que je gagne le bonus. Mais si tout le monde fait comme toi, c'est-à-dire, je ne suis pas bon dans le parrainage, je ne veux pas embarquer les gens. Si ça ne marche pas, si ça scam, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Si tout le monde a le même raisonnement, qui va alors entrer dans ta matrice pour que tu puisses gagner les bonus de la matrice? Il faut te poser cette question.
C'est ça la réalité. Donc, je ne suis pas là pour donner des reproches aux gens, c'est juste pour attirer un peu l'attention des gens sur la façon de faire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie DAISY. C'est quoi la crypto-monnaie DAISY? C'est quoi les caractéristiques? Et comment est-ce que les membres de DAISY pourront en profiter? Donc, je vais aller partager mon écran. Je partage, puis je lance la présentation. OK. Donc, comme je vous ai dit, DAISY a annoncé le lancement de sa crypto-monnaie. Vous allez, dans d'autres vidéos, vous allez entendre les gens parler du token DAISY ou bien du jeton DAISY. C'est la même chose. Les crypto-monnaies sont des jetons, sont des tokens. Le Bitcoin, c'est un token, c'est un jeton. L'Ethereum, c'est un token, c'est un jeton. Donc, moi, j'ai utilisé le terme crypto ici pour que les gens sachent exactement de quoi, immédiatement de quoi il s'agit. Alors, commençons d'abord par les nouvelles de DAISY. Qu'est-ce qui s'annonce chez DAISY? Le 10 et le 11 juin 2021, il y aura un sommet numérique sur les crypto-monnaies, sommet international numérique, c'est-à-dire c'est en ligne, ce n'est pas physique, sur les crypto-monnaies. Et ici, vous avez le lien pour avoir l'information sur ce sommet numérique. Et vous pourrez, et ce jour-là, vous pourrez également cliquer sur ce lien pour vous connecter et suivre l'actualité de ce sommet numérique. Un instant, je vais voir ça. OK, je disais donc, ici, vous avez le lien où vous pouvez cliquer pour participer à cet événement. Et DAISY sera le principal sponsor de ce sommet numérique qui aura lieu le 10 et le 11 juin 2021. Et DAISY va également profiter de ce sommet numérique pour faire le lancement de sa crypto-monnaie qui s'appellera DAISY sur la plateforme DAISY DeFi Launchpad. Et on prévoit 50 000 invités qui ne sont pas des membres de DAISY qui vont participer à cet événement, plus les membres de la communauté DAISY. Et il y aura des conférenciers de renommée mondiale, qui apprécient bien le projet DAISY avec son modèle de fonctionnement et qui veulent également participer à cette nouvelle plateforme que DAISY va mettre sur pied. Alors, c'est quoi les caractéristiques de la crypto-monnaie DAISY? La crypto DAISY est une crypto qui sera publiée sur les principales bourses des crypto-monnaies, parmi lesquelles on a le Cointelegraph.com, puis on a le CoinMarketCap. Lorsque ce sera lancé, vous pourrez aller dans ces plateformes pour voir comment se comporte la crypto-monnaie DAISY. La crypto DAISY est une crypto multiplateforme qui sera disponible dans Binance. Je ne sais pas si vous connaissez Binance, mais Binance est l'une des plus grandes plateformes de trading au monde. La crypto DAISY sera disponible dans Binance. Elle sera également disponible dans la blockchain de l'Ethereum et dans la blockchain du Tron. Et également dans d'autres plateformes et dans d'autres blockchains. Donc, voilà déjà les trois principales plateformes où la crypto DAISY sera présente, sera disponible. La crypto DAISY sera d'utilisation réelle avec une valeur réelle qui sera achetée par le public. La crypto DAISY ne sera pas seulement achetée par les membres de DAISY. Elle sera disponible au grand public et tout le monde pourra l'acheter et la revendre. La crypto DAISY ne sera pas une crypto MLM, c'est-à-dire du marketing de réseau, dépendant d'un réseau MLM. C'est vrai que dans DAISY, il y a une composante MLM qui est le plan de parrainage, mais la crypto DAISY ne sera pas dépendant du plan de parrainage.
Ce n'est pas une crypto liée uniquement à la communauté DeFi, liée uniquement aux membres de DeFi. C'est une crypto ouverte au grand public qui sera disponible dans les plateformes de trading qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais seulement, les membres de la communauté DeFi auront une avance, auront des avantages que d'autres, que les membres du public n'auront pas sur cette crypto-monnaie. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avec la mise en place de cette crypto DeFi, les fondateurs de DeFi offrent une autre opportunité aux membres DeFi de gagner de l'argent, sans toutefois faire le parrainage. Parce qu'avec cette crypto, oui, vous pourrez gagner de l'argent sans faire le parrainage. Vous pouvez faire des achats, vous pouvez acheter et revendre. Et aussi, lorsque vos filleuls, si vous n'avez, même si vous n'avez pas acheté la crypto et que votre filleul en achète, lorsque votre filleul gagnera un profit sur la crypto DeFi, vous gagnerez un pourcentage sur le profit que votre filleul a fait sur ces cryptos. Maintenant, là, je vous ai parlé de la crypto DeFi. Maintenant, je vous parle de la deuxième plateforme que DeFi va mettre sur pied. Elle va s'appeler DeFi Launchpad. Un launchpad, c'est quoi? C'est une plateforme de lancement des crypto-monnaies. Ce sont les plateformes où on fait le lancement de nouvelles crypto-monnaies qui se créent. Il y a des investisseurs qui sont spécialisés dans la création des crypto-monnaies. Et lorsqu'ils lancent une crypto-monnaie, ils ont besoin d'une plateforme appelée Launchpad. Et à Binance, qui est un Launchpad, on a les PancakeSwap, on en a plusieurs qui existent aujourd'hui. Mais seulement, l'une des difficultés que ces plateformes rencontrent, c'est qu'ils n'ont pas de communauté. Ils lancent d'abord leur projet de crypto avant de se chercher une communauté. Alors que DeFi détient déjà une communauté. Et elle va donc lancer sa plateforme de création de crypto. Et puisque DeFi a déjà une communauté d'environ 100 000 membres aujourd'hui, c'est un très gros avantage parce que cette communauté va attirer les investisseurs qui créent des crypto-monnaies. Parce que, comme je vous dis, les plateformes, les launchpads sont les plateformes de lancement des crypto-monnaies où les investisseurs qui créent des crypto-monnaies viennent dans ces plateformes pour faire le lancement de leur crypto-monnaie. Et vu que DeFi a déjà une communauté de minimum d'environ 100 000 membres, cela lui donne un très gros avantage et ça va attirer beaucoup d'investisseurs qui vont venir faire le lancement de leur crypto-monnaie sur le launchpad de DeFi et ça va donner du profit aux membres de DeFi. Une DeFi Launchpad est une plateforme qui permet aux nouveaux projets de la DeFi de lever des fonds auprès d'une communauté existante en permettant aux nouveaux investisseurs d'investir sur la plateforme. Des exemples de plateformes qui existent déjà, on a PancakeSwap, on a AutoFarm, on a Uniswap et il y a DeFi Launchpad qui s'en vient. Prenons l'exemple de PancakeSwap. Je ne sais pas si vous connaissez. PancakeSwap est une plateforme de finances décentralisées, de la DeFi. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la DeFi, tapez dans YouTube DeFi exactement comme c'est écrit là. Vous verrez, vous donnerez les informations. DeFi, ça veut dire Decentralized Finance. Et en français, ça veut dire finances décentralisées. C'est juste un autre système qui s'oppose un peu au système centralisé que sont nos banques aujourd'hui. Le système bancaire aujourd'hui est centralisé. La DeFi, c'est le système décentralisé de la finance. Et il y a beaucoup d'avantages là-dessus. Il y a beaucoup d'avantages. Je vais me mettre à expliquer. Si vous voulez savoir, allez dans YouTube. Il y a plein de vidéos qui expliquent cela. Donc, je parlais de PancakeSwap. Lorsque PancakeSwap est sorti, PancakeSwap a développé sa plateforme et PancakeSwap a également créé sa crypto-monnaie qui est le CAKE. Lorsque le CAKE sortait, le CAKE coûtait 1 dollar. 1 dollar seulement. Et le cake a monté jusqu'à atteindre 40 dollars. Le cake.
c'est monté jusqu'à atteindre 40 dollars. Le cake, c'est dans Binance. Dans Binance, il y a le cake. Il y a le cake. Imaginons que vous aviez acheté le cake quand il coûtait, quand il est sorti, il coûtait 1 dollar. Et quand il est rendu, quand ça monte jusqu'à atteindre 40 ou bien 30 dollars, et si vous le vendiez à ce moment-là, imaginez l'argent que vous allez vous faire. C'est le même projet, c'est le même style de projet que DAISY va mettre sur pied. DAISY développe sa plateforme Launchpad et est en train de créer sa crypto-monnaie. On va voir les avantages dans la suite. Les projets qui utiliseront la plateforme DAISY Launchpad donneront un pourcentage de leur crypto aux membres de DAISY qui détiennent déjà, qui possèdent déjà la crypto DAISY. Donc, voilà l'un des avantages, l'un des plus gros avantages pour les membres de DAISY sur cette plateforme DAISY Launchpad et de la crypto DAISY. Donc, comme je vous dis, la DAISY Launchpad, c'est une plateforme où les créateurs de crypto-monnaies viendront pour faire la promotion de leur crypto-monnaie, faire le lancement de leur crypto-monnaie. Et l'un des avantages, l'avantage que les membres de DAISY auront est que à chaque fois qu'une nouvelle crypto-monnaie va venir de la plateforme pour être lancée, les membres de DAISY auront la possibilité d'acheter cette nouvelle crypto-monnaie en pré-vente. Parce que le lancement d'une crypto-monnaie, il y a plusieurs étapes. Il y a la pré-vente qu'on appelle généralement ICO, qui veut dire Initial Coin Offering. Il y a la pré-vente. Généralement, la pré-vente, c'est très moins cher. Puis, il y a le lancement, le jour du lancement, c'est-à-dire le rendre public dans les marchés publics, dans Binance, dans Gemini, dans Market, dans Coin Market Cap, ainsi de suite. Il y a la pré-vente, puis il y a le jour du lancement. Lorsque c'est en pré-vente, le prix est très faible, vous pouvez en acheter. Et le jour du lancement, généralement, le prix est plus élevé que lorsque c'était en pré-vente. Vous pouvez la revendre ce jour-là et gagner de l'argent. Donc, premièrement, tous les projets qui viendront toutes les nouvelles crypto-monnaies qui utiliseront la plateforme DAISY Launchpad pour faire leur promotion, les membres de DAISY auront la possibilité de gagner un pourcentage de ces cryptos gratuitement. Si vous possédez déjà la crypto DAISY, vous pourrez gagner un pourcentage de ces nouvelles cryptos gratuitement et vous pourrez les revendre le jour du lancement. Les membres de DAISY auront également accès à la prévente des cryptos à un prix très, très, très bas. Donc, vous pourrez également acheter ces crypto-monnaies à un prix très faible et les revendre le jour du lancement sur les marchés publics. Concernant la crypto DAISY, comment est-ce que la crypto DAISY va être lancée? Les membres de DAISY achèteront la crypto DAISY à des prix ci-dessous. Ils vont d'abord faire un premier tour. Ça, c'est unique. Ça concerne uniquement les membres de DAISY. Si quelqu'un n'est pas membre de DAISY, ils n'auront pas accès à ces prix-là. Il y aura d'abord un premier tour où les membres de DAISY vont acheter la crypto DAISY à 10 cents. 10 cents seulement. Puis, il y aura un deuxième tour où ça coûtera 25 cents. Un troisième tour où ça coûtera 50 cents. Il y aura un quatrième tour où ça coûtera 1 dollar. Et lors du quatrième tour, ce sera ouvert au grand public. Les gens pourront acheter la crypto DAISY à 1 dollar. Les personnes qui ne sont pas membres de DAISY pourront l'acheter à 1 dollar. Après ces quatre tours, c'est après ces quatre tours que la crypto DAISY va maintenant être publiée dans les grandes plateformes de bourse de crypto-monnaies telles que Binance, Gemini, et ainsi de suite, pour être tradé, pour faire maintenant partie du trading, pour être acheté et vendu. Et les fondateurs de DAISY prévoient que le jour du lancement de la crypto DAISY dans les plateformes publiques, cette crypto coûtera 5 dollars ce jour-là.
Donc, ils vont lancer cette crypto à 5 dollars. Imaginons que vous êtes membre de Daisy et que vous l'aviez acheté à 10 cents. Vous avez acheté peut-être pour 1000 dollars. Vous avez acheté 10 cents à 10 cents. Et que le jour du lancement, les fondateurs parviennent à le lancer, à fixer le prix à 5 dollars. Ça, c'est le prix qu'ils prévoient. Bon, ce n'est pas garanti que ça sera ce prix-là, ce jour-là. Mais supposons qu'ils parviennent à atteindre ce prix, ce jour-là, et que vous vendiez vos tokens, votre crypto Daisy que vous aviez acheté. Supposons que vous en achetez pour 1000 dollars, ça vous fait 10 000. 10 000 jetons Daisy. Si vous achetez à 10 cents le jeton au premier tour, ça vous fait 10 000. Et le jour du lancement, si c'est lancé à 5 dollars le token et que vous vendiez vos 10 000 tokens, ça vous donne 50 000 dollars ce jour-là en un coup. Si vous en achetez pour 100 dollars seulement, si vous en achetez pour 100 dollars, ça va vous donner, je pense, ça va vous donner quelque chose comme 100. Oui, ça va vous donner 100 tokens. Et si le jour du lancement, vous le vendez à 5 dollars de token, ça va vous donner 5 000 dollars pour 100 dollars que vous avez acheté le premier jour, lors du premier tour à 10 cents. Si vous manquez le premier tour, il y aura le deuxième tour. Si vous manquez le deuxième tour, il y aura le troisième tour, ainsi de suite. Donc, c'est ça l'avantage de ce projet. Comment les membres de Daisy vont acheter la crypto Daisy? Les membres achèteront la crypto Daisy à un montant maximal correspondant à leur niveau de contribution chez Daisy. Si vous êtes au niveau 1 chez Daisy, c'est-à-dire au niveau 1, ça coûte 100 dollars, ça veut dire que vous pourrez acheter seulement un pack de 100 dollars parce que l'achat sera, il y aura des packs, il y aura des packs d'achat. On ne pourra pas décider d'acheter peut-être 2 ou 3 ou 4 ou 20. Il y aura des packs d'achat. Le plus petit pack sera 100 dollars. Donc, les packs d'achat seront les mêmes packs, suivront les mêmes packs que les niveaux de contribution de Daisy. Il y aura 10 packs d'achat au même prix que les niveaux de contribution chez Daisy. Et si vous êtes au niveau 1, vous pouvez acheter seulement le pack 1 qui coûtera 100 dollars. Si vous êtes au niveau 2, vous pouvez acheter le pack 1 et si vous voulez vous acheter encore le pack 2, vous pouvez vous limiter seulement au pack 2. Si vous êtes au pack 6, vous pourrez vous limiter au pack 6, ainsi de suite. Donc, comme je vous dis, plus votre niveau est élevé dans Daisy, plus vous pouvez acheter la crypto Daisy en pré-vente. En stockant la crypto Daisy, vous gagnez de nouvelles cryptos sous forme d'intérêt. Ça s'appelle le staking en anglais, pour ceux qui s'y connaissent. Dans Binance, on fait le staking. Dans Pancake, on fait le staking. On fait le staking dans plusieurs plateformes, dans AutoFarm aussi. La crypto Daisy sera vendue au grand public seulement après que les membres de la communauté Daisy auront déjà acheté leur crypto Daisy en pré-vente. Donc, le jour où ça sortira au grand public, ce sera après que les membres de Daisy aient déjà acheté leur crypto en pré-vente. La crypto Daisy sera achetée seulement avec des USDT, exactement comme la contribution, l'inscription chez Daisy se fait. Ce sera exactement pareil, mais ce sera acheté seulement avec les USDT, pas avec le Bitcoin ni avec autre chose. Donc, si vous avez du Bitcoin, si vous avez de l'Ethereum, si vous avez du Tron, il vous faudra les convertir en USDT, les transférer dans votre wallet Tron, dans la même wallet Tron que vous utilisez pour Daisy. Et puis, à partir de là, vous faites des achats, exactement comme si vous inscriviez dans Daisy. Il y aura une vidéo pour vous montrer comment le faire. Et il y aura des packs, comme je vous ai dit tantôt. Le pack 1, il y aura des packs de 1 à 10, exactement comme dans Daisy, il y a des niveaux de 1 à 10. Le pack 1, et les packs auront le même prix que les niveaux dans Daisy. Au niveau de Daisy, le niveau 1, c'est 100 dollars. Pour la crypto-monnaie Daisy, le pack 1, c'est 100 dollars. Donc, vous pourrez acheter le pack 1
à 100 dollars. Vous pouvez, et si vous voulez acheter le pack 2, vous ajoutez 200 dollars pour le pack 2. Si vous voulez acheter le pack 3, vous ajoutez 400 dollars pour le pack 3. Si vous voulez acheter le pack 4, vous achetez 800 dollars, vous achetez le pack 4, ainsi de suite, jusqu'à atteindre le pack que vous voulez. Et comme dans Daisy aussi, vous ne pouvez pas sauter de pack, vous ne pouvez pas décider de prendre le pack 2 sans avoir pris le pack 1. Pour prendre le pack 4, il vous faut commencer par prendre le pack 1, ensuite prendre le pack 2, ensuite prendre le pack 3, ensuite prendre le pack 4. C'est comme ça que ça va se dérouler. Il y aura des vidéos le moment venu pour bien vous montrer comment ça va se passer. Tout le monde commencera au niveau 1, au pack 1, comme je vous ai dit. Plan de compensation de la crypto Daisy et du Daisy Launchpad. 46% de la crypto Daisy seront versés dans le plan de parrainage. Ce qui veut dire que vous allez gagner. D'abord, chaque membre va gagner, va maintenir sa généalogie. Ce sera la même généalogie que vous avez maintenant. C'est-à-dire, votre parrain restera votre parrain, vos filles resteront vos filles. Dans la nouvelle plateforme que Daisy va créer, ce sera exactement pareil dans la nouvelle plateforme. Dans le Daisy Launchpad. Si vous êtes membre de Daisy et que vous achetez la crypto Daisy dans Daisy Launchpad, la généalogie sera la même. Et comment est-ce que vous allez gagner? Vous n'aurez pas besoin d'acheter les packs de crypto Daisy pour gagner sur les packs achetés par vos filles dans votre équipe. Si vous n'achetez pas de packs et que vos filles en achètent, le jour que votre fille va faire un profit sur le pack qu'il a acheté, vous allez gagner un bonus. Supposons que votre fille achète un pack de 100, le premier pack à 100. Vous n'avez pas acheté, votre fille en a acheté. Le jour qu'il revend et gagne de l'argent, vous gagnez un pourcentage sur l'argent qu'il a fait en vendant sa crypto Daisy. C'est comme ça que ça se passe, que ça va se passer. C'est pour ça que c'est très, très intéressant. C'est très juteux ce projet Daisy. C'est du lourd. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent encore. On n'est qu'à la première phase. On n'en est qu'à la première phase. Pour inciter donc des gens à s'inscrire à Daisy et à bénéficier du lancement de cette nouvelle crypto-monnaie, les fondateurs de Daisy ont mis sur pied trois groupes de promotion. Ils ont créé trois groupes de promotion qui recevront chacun gratuitement 10 millions de crypto Daisy. 10 millions de la crypto Daisy dans chaque groupe. On a le groupe 1 qui est appelé créateur de Spillover, le groupe 2 P7 Go, le groupe 3 P7 Leadership. Si vous réunissez les conditions pour appartenir à un groupe, vous serez parmi des personnes qui vont se partager les 10 millions de crypto Daisy qui seront donnés à ce groupe. Donc, toutes les personnes qui vont remplir les conditions pour appartenir à un groupe vont se partager les 10 millions de crypto Daisy qui vont être alloués à ce groupe. Supposons par exemple que dans le premier groupe, qui est le groupe de Spillover, on finit par avoir au total 1 000 personnes. Ces 1 000 personnes vont se partager les 10 millions de crypto Daisy qui seront donné gratuitement. Et si vous êtes 1 000, ça veut tout simplement dire que chaque personne va gagner 1 000 crypto Daisy. Parce que 1 000 fois 1 000 donne 10 millions. Je pense bien, si mes calculs sont bien faits, 1 000 fois 1 000, est-ce que ça donne 10 millions? Bon, peut-être oui. Oui, si vous êtes 1 000, chacun va gagner 1 000 tokens Daisy. Et le jour du lancement, si le token Daisy coûte 5 dollars, vous vendez vos 1 000 tokens Daisy à 5 dollars, ça vous fait combien? 1 000
multiplié par 5 dollars chaque, ça vous fait 5 000 dollars que vous avez gagné. Comme ça, gratuitement, parce que ces tokens vous ont été donnés gratuitement ici. Pour le groupe, il y a deux, il y a trois, on va voir les conditions pour entrer, pour les conditions à remplir pour entrer au groupe 1, parce que c'est le groupe où il y aura le plus de personnes, c'est le groupe où les conditions sont les plus faciles. Le groupe 2 aussi, il y aura 10 millions disponibles pour le groupe 2, il y aura aussi 10 millions disponibles pour le groupe 3. Pour appartenir au groupe 3, tout simplement, c'est les mêmes conditions. Il faut devenir P7. Et pour devenir P7 Gold, il faut parrainer minimum 24 personnes qui vont faire une contribution totale minimale de 128 dollars, 128 000 dollars, pardon. Là, dans vos premiers 30 jours d'inscription, vous parrainez 24 personnes qui vont faire une contribution minimale totale de 128 000 dollars, vous devenez P7 et automatiquement vous gagnez, vous allez également vous partager les 10 millions de tokens. Pour P7 de leader, pour appartenir au groupe de P7 leadership, il faut tout simplement remplir les conditions pour être P7 de leadership, c'est-à-dire aider trois de vos filleuls à devenir P7 Gold. Si vous aidez trois de vos filleuls, si trois de vos filles deviennent P7 Gold, vous devenez aussi, vous devenez P7 de leadership et vous êtes placé directement dans le groupe de P7 de leadership. Vous allez également vous partager 10 millions, les 10 millions de dollars avec tous ceux qui seront dans ce groupe, dans le groupe P7 de leadership. Maintenant, c'est quoi les conditions pour être dans le premier groupe qui est créateur de spillover? C'est le groupe qui est le groupe de promotion qui sera le plus abordable à la majorité, au plus grand nombre de membres. Et je vous prie d'écouter très bien les conditions et de faire vos efforts pour appartenir à ce groupe. Comme condition, du 22 mai au 11 juin 2021, parrainer 4 personnes avec une contribution totale de 1 000 dollars et gagner une part dans les 10 millions de crypto tokens, de crypto DAISY qui seront attribués à ce groupe. C'est ça la condition, c'est-à-dire entre le 22 mai et le 11 juin. Le 11 juin, c'est le jour où les fondateurs de DAISY vont annoncer la création de leur plateforme et la création de la crypto DAISY. Entre le 22 mai, donc ça a déjà commencé, et le 11 juin, si vous parrainez 4 personnes, et que la contribution totale, c'est-à-dire l'addition des contributions de ces 4 personnes, atteint 1 000 dollars, vous serez automatiquement placé dans ce groupe, dans le premier groupe, et vous allez vous partager les 10 millions de crypto DAISY avec toutes les autres personnes qui vont remplir cette condition et qui seront placées dans ce groupe. Pour le moment, on ne sait pas combien aura chacun. Ça va dépendre tout simplement du nombre de personnes qui vont remplir cette condition et qui vont être membre de ce groupe. Si vous voulez parrainer 4 personnes qui vont 4 personnes qui vont dont la contribution totale sera de 1 000 dollars exactement, ça vous demande de parrainer 3 personnes de niveau 2. Parce que une personne niveau 2 contribue 300 dollars. 3 fois 3, ça fait 900. Et vous parrainez également une personne au niveau 1. La personne niveau 1 vient avec contribue 100 dollars. La somme va donner 1 000 dollars. Donc, vous aurez parrainé 4 personnes qui auront dépensé un total de 1 000 dollars. Et ça va vous faire membre de ce groupe, de ce nouveau groupe. Et vous pourrez vous partager la crypto, les 10 millions de crypto DAISY. Plus vous référez de personnes, plus vous gagnez des parts. Donc, si vous référez 8 personnes, par exemple, qui font une contribution de 2 000 dollars, vous aurez 2 parts. Si vous parrainez 4 autres personnes, donc à chaque 4 personnes qui contribuent pour 1 000 dollars, vous gagnez une part dans les 10 millions des crypto DAISY. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Je vais aller vous montrer un peu dans mon back office comment ils ont
aménager le back-office pour que ça fonctionne. Ah non, je ne suis pas sur mon ordinateur, désolé. Je vais vous montrer ça sur une autre vidéo. Donc, c'était ça. Si vous avez des questions, posez-les. Je vais vous répondre. Si vous n'avez pas de questions, bon, on va passer au deuxième sujet. Avez-vous des questions? Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Dans ce cas, je vais passer au deuxième sujet qui est AI marketing.